si tu ne comprends pas toutes ces choses-là. Ça te lui posait difficulté à question à pile à coulisse. Est-ce que vous convaincu que souffrance, comme témoigner, jouer à quelques fidèles comme nous, il faut que nous imposions souffrance. Ça nous concerne aussi les entrepreneurs, parce que tout qu'on a entrepreneur, vu qu'on a chinois chaque jour. Nous avons des jeunes venus qu'on a chinois chaque jour. Qui ont déjà quoi tendance à quoi ça, comment c'est finalement bien que tout destiné au chinois. Troisième question, est-ce que vous pouvez faire un destin? Na mungu kama ni wa vrai, ae tu achagwe batu kukwe bakwe kubia muzuri na bengine bakwe kubia fo. Alors, ça va nous concerner chez vote, comme ça, tu kona tumi kama biashara za tuko tunafanya, mtu na najua, ote, kushi verite njo hii, ni kafurnir tena effort spirituellement mwa hii ngambo, na physiquement ni kafurnir effort mwa hii ngambo, ndeza pata rezita fulani, parce que nisha kambiliwa kweli yenye, iko tel que hivi njo hiko. Alors, bienvenue le Tsumbi Kambale pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Barafiki be, nous mingi. Vous abonner à la chaîne Tuendele pour qu'on ait alerté toutes les fois que tu fais une publication. Nous Tuendele pour Fundishiwa. Nous avons dans cette partie. Zile Bongo, Zituliambili, Wassibe, tout ce que tu as fait. Zine Zafania, Tushino, Kutoka, Magum, tout ce que tu na mwai parti tutaweza kudegaje tabia zenye naomba ukue nazo wakati uko unateseka na tabia zenye napaswa uombe Mungu akusaidie uweze kumetrize pour que usibakie mwa ile mateso yenyewe unapitia ama kama inaweza badilika ibadilike kwa namna yenye inafanya. Voilà madame et messieurs bitu bitakia ongelea mwai parti yenye tunaborde. Tulikuwa tumepata majibu na maorientation ya auditeur wenye tuko na shemu kipindi en direct kwa Radio Pendo Kivu, ndio maana tunakia endelea mena na parti yenye tulikuwa na tuko tunatayarisha. Alors, mesdames et messieurs, vous allez savoir que tukakia na hivi c'est parce que tunapenda tu contrecarrer, yani tuanda angalia kisi ya kuraverser aubiri yenye inaweza kuwa ninafanyaka le verse tupasoke kuko bitu byenye bishaka fundishwa watu mu mahali za kuteseka ya des choses ze bali tuingulike makichwa zetu zenye ulia kutusaidia zinakiaka tubloke zinakia tuambeshe kuendelelea parce que ulifundishiwa ke ile magonjo yenye uko napitia haiwezi pata dawa basi ile roho Mungu tu basi pokere vyo utia nero basi ile mafundisho ndio tunataka verifie sahi. Kwa hii emission tunasuwete tukiangalia mie na nyie kama tuneza kubaliana tuelewe cha wapi nyo chineza kuwa sawa kweli yenye tunaende yako. Voilà pourquoi tutakuwa na tuko tunareflechir, tuende na tuko na tumikisha akili, mizo si tutakuwa na tuko tunahitaji roho wa Mungu, roho mtakatifu, aendele kutuangazia mapasaje fulani za tutakuwa tuko tunaborde parce que hatuwezi aswari ni verite. Mawazo yetu ifo tunaikalisha kwa neno la Mungu pour que vitu viende kuwa na msingi yenye binastahili. Eda tusa tunapenda tuendelewe kama siye sawa ba Kristu. Eske tuneza endelea kwa kufengi kwa naoza kama niko predestine kukufaka maskini. Eske niko predestine kuteseka jume njoni kwa napata tu maguma kila siku. Eske miwa mafeblesi zenye haziishake. Tunapenda tuendelewa kwa ma tuneza kuna jikomborte wakati kuna pitia zile hali zote za kuteseka zenye zinakuwa na ziko zinafika maisha ya mwanadamu. Donc tutatafuta tuendelewa auteur wa kuteseka maisha yetu ni nani njoo anachaka tunateseka, parce que si unajua mwanachaka unateseka unaweza jua technique ya kumkanyaka juu kukutesa ipimepunguka. Donc ule responsable il faut anaenda onekana wazi kumwisho ya hii partie tutakuwa tuko tunafanya. Na ile yote ni juu ikuwe na iku natusaidia, tusikuwe na tuko na sakra. Tuko na fasa tunafanya saa, matesu iku sakre. Tuko na fasa Mungu, tu mara mwanjo, tutangalia kama tunjo muoriginere, kama njo metre wa vyote. Juu tuendelewana kama tunakuwa na tuko naendea ukucha wapi. Juu tujua kama tufo tunakuwa naendelea kuangureje vatu. Tafuta kujiameliore da la vie spirituelle juu baponeshwe. Eske ya ini force njeza basaidia juu baendeishi. Autrement que biko manaishi leo dizi tutakuwa na tuko natembea na bile vitu bie tuko tunaongelea. Alors leo mie nilikuwa napenda nijibaze sana ku passage biblique moi yenye nilikwambia nti na papa wa Roma kanisomea mimi nabaki aka très prudent parce que asinidanganye mimi si ni papa wa Roma.
Il y a un verset, je crois que c'est le fondement de tous ces mensonges. Il y a tout chaque appelé Kéo. Un seul verset. Zengine n'est quoi aux amis, mais un seul, à mon avis. Je change la doctrine et à pourquoi on a tout d'engagne à ça, tout n'a de sec. Moi, je crois. Mais je m'en ai à vide. Alors, tout à j'ai inspiré dans les versets. Il y a, à mon avis, Dieu est né, bana ikalishia kako, mawazo ya mingi. Heureusement, il comme Nouveau Testament. Ça signifie déjà que nous devons y contester facilement parce que nous ne serons pas dans l'Ancien Testament. C'est un verset de la vie de l'apôtre Paul. Il est tout à qui en anglais. Mounye, on a tout décrire. Il y a infirmité. On a tourné chez Paulo. Mounye, il y a un lema flani. Tout mes Paul, mounye, il y a un lema flani. Mais où les mains viennent, va te présenter clairement mon Biblia, comme nous les mains viennent à mon agani. Na, où les mains viennent, Paul, il y a un peu qui qu'on a kiri. Moi, il est versé, qu'il est où les mains vont dire n'ont pas qu'un gouffre. Na, ne moi, il est souffrance, n'ont pas qu'un cas, n'est ma yamou. Mesdames et messieurs, donc pour qu'il y ait à sentir, c'est dans cette souffrance-là, dans cette faiblesse, Seigneur, qu'on a. Il y a un verset qui est piqué, qui est en train de tout réfléchir ensemble. Mais il y a un sommet en français, c'est l'histoire sur les chardes de Paul. Les chardes. Les chardes, quand il y a un dictionnaire qui fait ça, il y a un bien que les chardes, c'est une épine, une infirmité, un piège, un obstacle. Il est en français. Pour définir les chars de ville. Tout n'a qu'on guérit les chars de Paul. Alors, sans d'assommer un verset, je vais comprendre qu'il y a tout ce qui est. Parce qu'exactement, où je vais pratiquer, je vais te faire chez moi. Parti. Dans ce qui est gagné, ou quoi, il y a un contredire, numéro un, ou pas, ou un saïdia, ni si d'engagné, tout n'a qu'on a ce qu'il y a, on a sema. Mawazo yako mina kukumbusha kama wikamata 0992-06-55-22 0992-06-55-22 paske apa mie nawe tuko mkatiksimu tuko mweko dime tunakia disikite nawe parole de Dieu siye mie nawe natufanyaka teoloji tuko tuwa watoto ba Mungu venye ba nasomaka neno na ba naitafusiria après qu'on comprendre le contexte yenye liongelea après kwenda elewa les passages selon ma chapitre gizi kuinashuka bila kwa na tosha na kusosi sone verset amokamo ya kamoyo. Alors histoire tunaitosha mu 2 Corinthiens 12 tunanja verset ya kwanza mpaka ya 10 wa Korintho wa pili kipindi ya 12 ya kose je crois mstari wa kwanza mpaka wa 10 parce que Swahili na enjoy yake ile. 2 Corinthiens 12 1 à 10. Nous sommes pas les 10 versets. Yenye Paul ye peki konandikia ba Corinthiens barua yake. Wa ye pitre yake. Anabaandikia kitu kya kabambi kenye tunakia soma na nyi hapa. Yenye mko ma revelation za mingi ya monavi. Sijue ni anje soma ya Kiswahili ama ya Francais, akose ni anje na Kiswahili, jione kwa sema Kiswahili sana. Wakorintho wa pili, 12, 1 a 10. Je, lazima kujivuna, ile ni ulizo, kweli haifai. Japo hiyo, nitafikilia sasa matokeo na mafungulio ya Bwana. Namjua mtu moja katika Kristu, sasa imepita miaka 14 kama alikuwa katika mwili, sijui kama nje ya mwili, sijui Mungu njo anajua. Mtu huyo alitwaliwa juu mpaka mbingu ya tatu, tena najua ya kwamba mtu huyo kama alikuwa katika mwili au je nje ya mwili, sijui Mungu ajua. Ya kwamba alitwaliwa juu mpaka paradiso, akasikia maneno yasiyosemeka, wala mtu hana ruhusa ya kuyanena. Juu ya mtu kama huyo nitajivuna, juu yangu mwenyewe sitajivunia kitu isipokuwa udhaifu wangu.
sita. Kama ningetaka kujivuna, singekuwa mpumbavu, kwa sababu ningesema ukweli, lakini naacha mtu asinizanie zaidi ya hayo anayaona ndani yangu au kuyasikia kutoka kwangu. Set. Na kusudi nisipate kiburi mno kwa ajili ya ubora wa mafumbulio hayo, nilipewa mwiba, narudilia trois fois, mwilini mjumbe wa shetani mwenye kunipiga ngumi nisipate kiburi mno. Mnane. Kwa hiyo nalimsii Bwana mara tatu, shetani huyo aondoke mbali nami. Akanjibu, neema yangu ya kutosha, kwa maana nguvu utimilika katika udhaifu. Basi napenda zaidi kujivunia udhaifu wangu, ili nguvu yake Kristo ikae juu yangu. Ndiyo maana napendezwa nikiwa dhaifu, nikitukanwa, nikipatwa na shida na mazulumu na misongo ya roho kwa ajili ya Kristo, kwa maana ninapokuwa dhaifu, hapo nipo nguvu, hapo nina nguvu. Kamate Kifaransa mbio mbio. Nous allons lire le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans le 12e chapitre, nous lisons le premier jusqu'au 12e verset. Il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant, eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dont le Christ, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais. Était-ce hors son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel, et cet homme-là était-ce en son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, je sais. Qu'il fut ravi jusqu'au paradis, et qu'il attendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'attend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffléter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me comblais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mesdames et messieurs. Dans ce que c'est nous sommes en version Gani, j'utilise la Bible de Jérusalem, la grosse. Alors, qui soit les Bibliens attaquatifs, il n'y aura pas de Bible. Mesdames et messieurs, voilà les versets qui, selon moi, a toujours été à la base de tout ce que je peux dire. Il a constitué tous les mensonges de Tunambiliwa Kassa, tout qu'on a teseka. Tous les mensonges de Tunambiliwa Kassa, tout comme Magonjwa, ça. Tuko mugu maskini, sa bwana na kuonea mugu nyumba, sa
Et ça nous concerne dans Chieba Entrepreneur. J'ai pensé qu'il fallait tout consacrer à une nuit, même si nous allons parler de la discipline et couler comme à 3 heures. Alors, le contexte est tel que tout mes paroles qu'on a tous les airs par mon barou ayaké a pile n'y a tout mis à Corinthiens. Une histoire vraie, une histoire où quelqu'un a été élevé. Mutuali nuli wa kaenda binguni nenda ngalie bebe kona pitika na binguni. Na naenda mbili wa bienye, il faut à qui révéler banadamu. Na ni yeye Paulo yeye peke njo alichukuliwa kaju aende eleze wa vitu vyenye na andika. Parce que tout ce qu'il raconte, à grande partie, ce sont des révélations, à plus de ce qu'il est en train de donner comme des récits. Il y a bien quoi qu'on a fait avec les autres. Maintenant, moi, il passage, il qu'on a décrit où le mutu mounyali panda kampa kambinguni, kuona bibiko bina pidi kambinguni, ana sentir que mutu kuki ashuka kia shuka bile biote kuki abisema, alinga mutu ngesikia kana orgueil, mais mie, stage orgueil. Tapanda biburi, j'y habite bien ça en ville. C'est lui-même qui a été élevé pour ça. Alors, il va raconter ici quelque chose de spécial. C'est que, anakia tourné chez Mfano Yanini, anakia tourné chez Mfano Yakitu Moyenye, il m'a pataka. Soit il n'y a de qui a mouiba, épine, français n'y a de qui a écharde. Oui, parce que écharde signifie épine, signifie infirmité. Ndiye le jeu français. Alors, kunakuwa shida yenye anakia tuonesha gizi yeye iko fort dans la faiblesse, c'est dans la souffrance que yeye iko nguvu. Na Paulo kupitia hii barua yake ashakapatia batumishi ba mwa bamoya okazi ya kwanza tubiri comme si mu magumu njo mwenye na sifu tunakamata hii atmosphère ça comprendre ça arriver à interpréter. Ça allait chercher à comprendre, il y a tout bien à tuambia, nini, la binesa kwa na mana engine gagne ni comme puissance. Engineza tu saidia, na si tu veux réaliser, atta me pata venir réaliser. Kama dans la souffrance et dans la faiblesse, moutou aneza fanya quelque chose, kama il était fort dans la souffrance et dans la faiblesse, pourtant il a réalisé beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait que mi dans la souffrance, je ne réalise pas beaucoup de choses? Est-ce que je n'ai pas été découragé, moubaya ne li fundishi wa iki tu? C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Mais il y a un jour verset et il y a tout à partir. Avant tout, il y a un ami qui est André Mbali. Il peut nous faire une lecture parallèle. Tout le monde a dit que ma verset, je vais vous dire que tu n'as pas de écharpe. Parce que, je suis allé à la tombe en bonne mibe. Mais je tombe en bonne mibe. Hatuweze kukomprendre kama Paulo alikuwa anasikia nini. Juu nishakuta kwenye mpasteur hapa mvile ya Butembo. Nishakana kwenye mpasteur mwenye kunexplique ke ile yenye Paulo alikuwa anasikia alikuwa kama magonjwa ya macho. Mimi niliambiwa kwa vile na mpasteur mvile ya Butembo. Que Paul avait les mots Dieu. Na ilisaidi alikuwa na kuandikiwa na barua zake. Alexplique ka hii faiblesse ati ni ile magonjwa. Donc il y a les kamataka écharde au sens ya infirmité na infirmité akabiba mu sens ya magonjwa. Alors automatiquement parce que magonjwa imekuwa anaenda angalia bo magonjwa nyenye natafuta nyenye za kuwa yenye Paulo aliishiki nayo inaweza kuwa ya wapi akaenda banisha kwa magonjwa yenye anaenda kutanisha kule ati basi magonjwa mwenye ndio nimekutanisha ilikuwaka macho. J'ai trouvé trois autres versets et il a revenir qui mot écharde. Écharde comme épine, écharde comme obstacle. Ma verset moins 3, on y a dit que nous avons 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 dit que nombre 33, le 55e verset. Verset ya pili yengine tulikuta mo synonyme ya écharde comme épine. Josué 23:13.
Josué 23, 13. C'est très important. Kama tusikiliza ni hapa kumanzo ni sibadangani. Na tunakia poteza wakati. Paske vyote vienda sema kule chini havena maana kama tuelewane ukuyo. C'est très important. Donc. Josué 23, 13. Kisha verset ya mwisho. Tukapata ingine maana ya Echard. Mujije 2. Troisième verset. Et bien, on a ma Bible en anglais, je peux pas dire ni terme molele. Mon anglais, ni version, ni terme molele, je peux pas dire faciote. 2 Corinthiens 12, 1 à 10, ça va indiquer Echard, on a dit terme molele, qui est comme nombre, qui est un nombre 3355, Josué 23, 13, Juge 2, 3. Mon français, je peux pas changer, c'est quoi Echard, amina quoi épine. Echard, épine. Echard, épine. Ville, je peux pas dire. Iko nakuwa tu miba, 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 miba. Muswahili na iko nakuwa bien, miba. Alors, tu somme français, utakuna jikuche muswahili kuna natuko na jikaza. Nombre 3355 inatuambia hivi. Ukaanja verse mwenye zote kumwa, ukaanja nombre 33 kumwanzo mpaka ule kusengasenge, c'est la même histoire. Parce que nikwambia kuna tusha verse, munani mushapitre mwa hivi brisquement, c'est aussi compliqué. Exactement. Il faut un moment donné, on a qu'on a somme à commencer moins. Dans nombre 33, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de parler ici de ces nations d'Israël, des nations d'Égypte. Zikozinaenda, parce que il faut bannir Israël, il va naenda Canaan. Na mungu atabaonesha que kuko problème yenye bana courir, bakajikaza kwenda ikala kule mubaya. Unashuka tu histoire yote nasema kubele vimolelea. Donc ile verset tunatusha mwa 55. Inambatana na zingine za yulu zote, hakuna vrema chiche natoka mwai. Sengansengi nasema, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Je vous explique le contexte. Il contexte tout quoi moi pas mon nombre 3355 c'est que tout qu'on a peuple yenye qu'on a toka mobutu moi Misri et naenda Canaan. Canaan haitakuta ovide kuko watu bebatakuta na Mungu na bashurutisha ave mutakuta mfukuze bote na musibakie na watako mumoya ve mutachaka munaishi nao watakuwaka miba munyie. Na kubakia miba munyie batakuwa sama matu mwenye ningia mambavu wenu. Vale njoba bataka vadu yenyu mwile inji. Voilà le contexte, la compréhension ya nombre 3355. Nyina kuya na concept moya mwiba yenye na ambatana na mwiba yenye Paulo yiko tu explique nye yiko na yujua apate force da la souffrance. Parce que tuko nenda degaje, souffrance njyo tuko kwa panjecho ubane mkichu. Tukimbia na mujozue 23-13, mbio-mbio, tu peux mettre bien mbio-mbio, Josué 23, le 13e passage. Na yo kanja ku passage ya kwanza, c'est une histoire, yenye viko na kuelezea, Israël iko naenda, donc c'est le même peuple qui est en train de partir, ni rappel ingine nyina kia kuya, yenye Josué anapatia le peuple d'Israël, isi kalake na makabela. Donc ça va rester la même histoire, mais où on va utiliser le même concept Echard. Tune kamata, 13. Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Et Charles de Tenakia Tokelea. Vous voyez quoi, son anglais, je vais t'en aller au biais, ça, le concept de Molele. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Josué na kumbusha peuple d'Israël que namuko munafika mutakutaka yo bato bale ni bakufukuza bote mukabacha kwayo. Attendez-vous venir vite ma pataka. Madame et messieurs, il insiste, le même Josué, il va insister que il faut faire attention. Il est ni miba, il n'y a pas de temps à faire. Donc, Echard de Meka, tu me choisis pour la population molele. Tu me le vois. Je ne peux pas parler de la population pour la peuple molele à Israël. Je ne peux pas parler de Canaan. Je ne peux pas dire que Nani Jones a quoi Echard de Kouavo.
population ni batakuta kana kwenye banaenda. Il faut tunakuwa comprendre ile mabitu ju tusiende creo magonjwa na tu yaona kama magonjwa nizitokea yuwapi. Alors, dans Juge 2, 3, nous avons aussi trouvé quelque chose qui s'apparenterait à ça. Après, nous sommes à Josué 23, 13, Kamata Juge 2, le troisième verset. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leur Dieu vous sera un piège. Mesdames et messieurs, nous avons encore Richard Yenina qui apparaît au Juge 2, le troisième passage. Batu bana bakia, venye bali bakia, bana kia kuwa tena nini, miba, watoto ba wapi tena tu, ba Israel. C'est le même peuple, njo venye bana tumikishua kwa Richard trois fois, muma verse zenye mie nilipata ze zinarudia mumiba, yenye kuna ni explique, yenye, na Paul anenda fanya kwa reference, sai kwa naeleza maisha yake ki alitiliwaka miba mwili yake. Nous sommes en train de chercher la compréhension avant d'aller atterrir. Alors, moi ce verset in ukatia 2 Corinthiens 12 1 à 10. Ukakamata nombre 33 55. Ukaongeza Josué 23 13. Unatia Juge 2 3. Tumepima ona au moins que écharde inamaanisha piège, inamaanisha épine, inamaanisha obstacle. Yenye mtu atakutanisha yenye za muzuia na mwazile verse zingine zitatu kwenye iku explique parce que mui de Corinthien nye Paulo ye peke kunaeleza mbaru yenye anandikia ba Corinthien yeye ha explique kama ilikuwa ka nini, hakuandikaka waziwazi kama ilikuwa ka magonjo, hakuandikaka kama ni probleme gani, me omwe kule mzile ma verse zitua viko clear ke ni population nye mutakuta kwenye munaendra musiishi nayo, muifukuze juu ile nitabakuwaka miba yenye itabawaka itabakurawa kuna ile inji. Au moins kule muzela zetroa vile njebi kuexplike. Ok, allons-y. Donc tu na comprendre que Echarde dans les trois autres versets zenye tunaipata amo kwenye manasomaka Bible ya anglais, ile concept molenyu tipata kule mwa ile trois versets tuko tunaborde na weye inamaanisha kundi ya watu venye ni danger, wana represente danger ku population ya Israel. Gizi, tunaweza enda fukuza venye bashaka okipe kwetu, nero tukisha bafukuza tusiishi nabo, na komranda. Ile njo maana ya Echarde kwanza, muma versese 3 zenye, wana idefiniremo zenye mie nilikuwa na neko nanguka, kama nukanguka kuya 4, usikose kunipartaje ayo, yendele kukomalisha, masomo tuko tunafanya na wewe tuko nasoma hapa sasa ye hakuna mwanajua. Alors turudie un peu kuile récit yenye Paulo anatuelezea. Paul ametuelezea ke iko na ule mtu mwenye alienda kaona mbinguni, ila ile revelation c'est lui même pale yombo na Zubaha tanie peke ndio alienda kapatiwa ma revelation mbinguni, na njoo yenye natuandikia njoo naandika na vya mingi sana juu tuweze kujua kama Mungu anatuomba tuishi na Paulo anatuandikia hapo. Turudia kwa ile verse yenye tulisoma, ile yenye anatuelezea maisha yake yenye alikuwa anatudekrire magumu yenye Paulo ye peke anaishi. Madame et monsieur, tulieneshana na wewe na tuko tunaisoma hapa, tunakianja reponde sasa kwa ikesho hii mwa hemoya mwenye tunatusha tu mwa ile verse ndio unarudia mule 2 Corinthiens 12 unaanza verse yako ya kwanza mpaka ya 10 kule njoo kwenye urudi 2 Corinthiens kule njoo kwenye uremonte parce que nous sommes en train de chercher maintenant que j'ai posé ma question de compréhension zimwazimoye juu tusikue na tuko na endra potea bila kujua. Nianje kukumbusha ombi ombio, il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant, eh bien je viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans, il y a 14 ans qu'on a raconté, était-ce en son corps, je ne sais pas, hakumbuke kama alipandaka yeye na mwili yake ama na nafsi yake,
Mais bon, où le mouton alifaka nini, alipandishwaka au troisième ciel, akaenda mbinguni. Et cet homme-là était en son corps, était sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Il fit la vie jusqu'au paradis. Akabebo mpaka mbinguni. Hajo kama lindaka na mwili, ama kama lindaka spirit, kimkiro, yeye, njo aliendaka vile. Et qu'il attendit des paroles ineffables. Mbinguni alisikia kabia mingi, na jube yaka andika. Qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Anakuta kuna bimwa venye kabisa kubisema. Hairuhusiwe. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Ingekuwa yeye ni mule mtu asema, sasa ule mtu changuana chiburi. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Ibwa yeye mwenye yenjo alinakayo, mimi ndajisifia ibwa tena nini udogo wangu. Donge velema venye kwa tena navyo. Souffrance yenye kwa na lekera. Je voulais me glorifier, je ne serai pas insensé. Je dirai la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. Ah, puis qu'on a katala kabisa kibur. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde à la chair. Akawekewa naye nini mwiba. Mwiba kisha mwekewa nilumukewa na nani? Un ange de Satan chargé de me souffler. Pour que je ne m'enorgueillisse pas à ce sujet par trois fois, Ariomba Kamarata, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Il est mwiba imutokemo, mais il m'a déclaré ma grâce te suffit. Comme si Mungu namwambia ile mwiba itakubakia, ile magumu kutabakia nayo. Neema yangu tunjo inakutosha, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance de Christ. C'est pourquoi je me comblais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, quand je répondrai, je vous mets sur ma bien, mais kumbuka. Question à quoi est-ce que tu n'as oublié de toucher sur ma naoué les récits, n'y a pas où qu'on a Nani njo alitiaka mu mwili ya Paulo amo ile mwiba liandre mbali ni malaika wa shetani verse ya peke na repondre haiko mjo na ivande malaika wa shetani sasa significa c'est le diable malaika wa shetani ametokea wapi ada ya modonge parce que shetani sako anatoka sako anafukuziwa aliendaka na venya naenda naye venya alikovengra kai la ide anges qui sont partis avec lui qui sont devenus des démons. Si vous lisez dans l'apocalypse vous allez comprendre toutes ces histoires là et dans l'histoire de gizi shetani ananja jenga nini dunia yake anapenda jenga royaume yake. Alors ni shetani ni malaika wa shetani ndio alijaka ile miba munini mwili ya Paulo. Okay, deuxième question, pourquoi aliitiaka mwili yake? Nione kama kuna nisikiliza, mtu anitumia repose. Marisoma verse. Alitiaka mwili yake joni. Malaika wa shetani anaweka mwiba mwili ya Paulo joa kwa. Paske kama tukombrandire huku nisipadanganya, hamutanielewa mpaka kule ku desert Trump. Cheko nitapoteza na mie wakati yote hapa chini. Hapa sasa utasikia sana kuna kujeleza ulipanda nikupike Roma film. Sasa ce que je te dis c'est la vie. C'est très important. Un auditeur mwenye wananisuivi. Juu ya nini wanatia mwiba mwili? Juu ya nini malaika wa shetani anatia mwiba mwili ya Paulo? Usiniambie mtamu na mko huyo mna zimbe nzembe. 09-92-06-55-22 kama umesawa ni mimi. 92-06-55-22. 09-92-06-55-22. Versi na répondre aiko mingi ni kuna bikreye hatu kuna bie vante. Oui papa katulamo. Ili asikuwe na chiburi. Très bien. Papa katulamo juste Mungu akubariki. Malaika wa shetani anakia tia mwiba mwili ya Paulo juu Paulo asikuwe na chiburi. Paulo alinemeshwa kwenda ona na Mungu mbinguni. Kwenda patiriwa ma revelation zenye na zingine hakosesemaka. Donc visiblement alikufaka na kuandikaka na zingine. Nerojas kwa na chiburi kubula bokubwa bote bwenye iko nabo na ile ma stories za naeba malaika wa shetani anatia nini mwiba mwili ya Paulo. Vuko mbrene.
mule moko kiasi yini mini kuna juliza. C'est ce qui devient très intéressant d'ailleurs. Abanyo kona kama ndeta na papa romi kwanifundishi boru mina isikiliza kana masikio ine. Comment malaika wa shetani anaweza tia mtu kitu zumu mtu asikuwe na chiburi? Shetani mupenda zambi hivi. Shetani mupenda zambi anitie mumie lotumbe ketu juni sikuwa na chiburi. Ye shetani. Shetani mumamo tunajua. Mayo tunashu tu shetani. Ye sita ni mumero yotu. Inakuiramu achendu. Chereke usu wako leche. Acheve ni wambu. Uchonganeni. Ubu ukuwa kumustari. Ufunga nane kama njoku. Napende ile lugha mimi basi ningali feble. Madame et messieurs auditeurs auditrices. Mie deke pastor anasomia ka inverse. Kama deja hanil anisotere kale kaboro mu esprit. Na pata sema ndio tani waye. Parce que je ne vois aucunement et nulle part le diable a qui ni ubiri. A qui ni tiamo kitu ju ni kuwe mzuri na Mungu. Oui, parce que Shetani akanitiamo kitu chochitaniuya kiburi, sasa signifie ndakuwa mutaratibu. Je suis très humble. Na nikisha kuwa très humble, niko na Mungu bien. Mais comment le diable va devenir sensibilisateur de Dieu? A travers son ange. Na mina waza, ce n'est pas pour rien que Paul le kwa naandika na natiama mo, zote bien. Shetani mumoya mwenye Yesu ananipresente mo mwizi, mbomoaji. Akuye joa kie jenga. Je connais pas ce diable là. Ça c'est un diable converti. Il faut vraiment qu'il intègre la communauté des chrétiens. Ou le shetani na nomba tunamungiza mwiglise. Moi je sais qu'il a fanya boulot jou Paul à ce qu'on orgueille. Vous comprenez déjà? Inquiétude angu ya kwanza nyimina jipoza kama. Pasteur amingo na somia kiboro sa ou ni demondre tout pas le pain. Farceur. Otan hypothèse ou tan ni ubiru tu maskini angu ni kwa normal. Nuna ni waye. Donc, hapa njo kwenye deja kunaribisha suite yote, madame et messieurs. Hapa kunaribisha yote. Paulo sata kwenye mbea kia najitapiaka, napataka nguvu mubumaskini yake, musufrasi yake, njo napataka force, tout le reste. Sana plus l'essence ya materme ya gizi vina andekua souffrance. La souffrance ne signifie plus souffrance dans les yeux. Haiko tena force ya kuangalia na macho, hivi ni ya kuchunguza, je vous dis la vérité. Vous devez réfléchir, rendre dans sa vie, rendre dans son ministère. Réveillons-nous. Jour na tutakuwa na demba na kila siku. Mimi nishaba mendimia entrepreneuria itatuobija kasiye bote tujifunze Mungu. Jour tu na tutashindwa kwa makazi. Hapa tutakuwa obligé ni sivadangai turudie mu ministere yenye Paul anafanya. Mutume Paul kazi yake ilikuwa kae. Jour twende aone bwile mibe yenye balimutia kama mumwili. Est-ce que haifanane ya banya Israeli? Ya ba Israeli onekana trois fois ni molelea. Ne batu be batakuta kanani musiishi nabo mufukuze mishingo. Est-ce que na Paul naye hana batu benye balijirija kakondre ye njo benye bakakuwa mwiba yenye imuzui na mule njo makapataka nguvu. Juske ni ubiri vyengine. Na tukaelewa hovili bwa ndaweza kukuelewesha suite ingine yote. Ukanikondre lile telefoni yangu nafunguleo. Ukakosa na inite niko mwana mainite minyo ndakuita. Alors, tu fais une vérification ya kwanza. Donc Leandre Mbali, tu nafanya pa des exercices spirituellement bibliques. Tu natafuta mbiblia, est-ce que Paul était orgueilleux? Parce que orgueil kingonekana mo langage andika ma epitre za mingi, ma barua za mingi. Est-ce que Paul alikuwa kana chiburi? Tutaangalia mo langage yake. Tutaverifia na cha pili mu ministeri yake. Est-ce que hakuna watu benye walikuwa kana mukostitie ma piège? Est-ce que hakuna watu wenye walikuwa kanakuwa miba mukazi yenye waka nafanya? Bakakuwa nawe kwamo ya Paul na haiko tena magonjwa ya macho yenye gizi wanataka tuexplique huko. Hii echard yake, faiblesse yake na imekuwa yengine. Alo nimeenda kwa kukatarewa. Ndio, nitakuwa kukatarewa na wachache kwenye kwa kanenda ubiri juu aimiwe chitu cha kabambi chetu tenda kamata na nyie tutachelewa arenga hata. Alors, tukatafuta kuelewa kama Paulo hakukuwaka orgueilleux, unaweza kamata, tutakamata 3 verset 2, ni za mingi zinaweza tupermete, mimi ukamate verset ya kwanza andika Ephesians 3. Wa Efeso. Ephesians 3, tutasoma 8e verset. Wa Efeso.
Andeka na 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, 9. Andeka na Actes des Apôtres 20, Matendo Mitume 20, 19. Tuanze na ya kwanza wa Efeso. Utakona soma Kiswahili, ndakona kutraduri tu kidogo huku. Juni kanya soma vyo, utasoma 2 verset, 2 verset, ndakua kula wakati ya mingi. Tunakamata Efesiye 3, 8. Allons-y voir ça, Paul, qu'on a indiqué à Ephésiens, au 3e chapitre, 8e verset. Est-ce que Alikuwa kana chiburi? Est-ce qu'il y a un fanana mutu wa kojibeba uyu mwenye anasemaka hivi? Je vais tunataka nda uliza hii passage. Ephésiens 3, le 8e verset, il a tuambia hivi. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Par exemple, on a quoi point. Je vais vous dire que 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 je vais vous anahandrekaka na unakuta uti uyu mulu ana anajependa mtu wa chiburi unamsikilia kama mlangaji tu kasikia kwa tatoko lake miese polo kona jieleza hapa que moi je suis le moindre ye njo le moindre wa mwisho yani wa mwisho mubatu gani wa mwisho mubatakatifu wote mpaka kwenda jishusha vile mwa ile dimension sione kama mtu mwenyesha nje tu prouver umaipitre zake, na hikuwa naandeka vitabu vya pata vile, haikuwa na jetapa vile, aende kuwa tumuprezandemu wa chiburi mwenye shetani, malaika wa shetani, akia nedemba mia lotundi mweniko na hakili, atiambubwa na kia tosha mwenye nani, ye Paulo amo chiburi. Shangandrok, mwakwecho na maana. Wa Efeso 3, ni mustari wa muna ane, njoi nitunadie soma, inasema hivi, mimi niliye mudogo kabisa kati ya watakatifu wote, nimepewa neema hii ya kuwahubiria mataifa habari njema na utajiri wa Kristo usiofahamika, na kuangazia watu wote wajue gisi gani fumbo la wokovu linatimizwa. Tuona kushuka kule uside suite. Hii verse ni parmi verse za kwanza kuonesha que Paul n'était pas orgueilleux. Aliongea kana Mungu, ila ile revelation Paul alikutana na Yesu. Kama ni kujitapa ndio maana andika vitabu vya mimi, kumbe humu ni mamie mwenye nimeshwaka. Mie mwenye niliona Mungu farafara. Mie mwenye nilifikishwaka mbinguni. Kisha huyu ndio mwenye malaika wa shetani kiene demba tambo na kiatosha mochi buri. Hapa niko nataka nje kuonesha des preuves pour te montrer que le diable là il veut nous tromper et c'est le mensonge qu'il y a dans ces versets. Kama wanje ndaelewa, wanje na demander, tu ne vas pas comprendre le reste de la vie pratique et tout ce qui tunateseka juu tutoke mkote seka. Susi yangu mimi napenda kumisha tutoke mkote seka. Tufungule na Wakorintho wa kwanza batrai. Wakorintho wa kwanza 15 yenye nilikwambia, 1 Corinthiens 15 9e passage de tutasoma verset 9 15 9e verset. Maana mimi ni mudogo kuliko mitume wote, hata sistahili kuitwa mtume, kwa sababu nilizulumu eklesia ya Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, nayo neema yake niliyopewa haikuwa hapa na tuache pale. Kuko ni la humilité. Beaucoup d'apôtres kona manema ya mingi zenye alikuwa kanazo, me anaenda kamata monema ya kuhurumiwa betsebo wote benye alifanyaka na ngali Saulo, anda kamata neema yenye Mungu akamshanje na kumpokea vile, anda jikamata mudogo ati mimi njoo mbesilo wa mtume wote.
kamata na acte des apôtres tumalizie pale ma preuve fulani utapata na za mingi ukaendelesha kusoma Biblia. Matendo ya Mitume tusome mulani chapitre ya 20 tasoma tutafungula monini ya tutafungula momolondo wa 19:20 acte des apôtres 20 on va lire le 19e verset qui nous dit ce qui suit madame et messieurs nalikuwa nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote humilité kwa machozi na katika majaribu yaliyonipata kwa mitego ya Wayahudi. Amenja tuonesha na ishara de mwenye. Paul te demande qu'il travaille dans toute humilité. Il a subi des outrages, il a subi des persécutions. Nikashuka chini, nitumikie Mungu ndani ya upole wote. Hii ni mapreuve za kukuonesha ke Paul hakukua karugeye. Seke, sa Paul kuna tuambia ati shetani, malaika wa shetani anakia mutiamo muiba, ju amuime chiburi ni mabongo. Ni chengine chitu, haiko mabongo, ni chengine chitu chenye lifo kufunulea. Chucha Biblia tu kuna isoma tu mazuenge zuenge, na tutakuwa na potezana. Nero na hapa natelewa bingine vete. Vienda sema kuchini viko pratike haki mutanielewa. Vina bausu. Hapa sahi vineza kwa sabi kuna kuchokesha me. Tu haki uzikaze. Mina juwa ke Mungu atabariki mutu mbusiku wa leo. Kuko tu chitu chenye chitafungulikana chenye ushaka shindu wako. Hatuko nafanyi muma blagi. Alors, vuko mbrene ile mena klerke. Shetani hazi tudemba kia daki abmaliza orgei mpol. Haku kukwaka orgei. Ine vapa venir ote lorgei kine pala. Madame et messieurs. Alors, ça où me coûte que haïko orgueil. La vraie question que nous nous posons quand nous passons ma Biblia ni 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 bois. Moi, t'as ouais, j'entends pas dire ma unité. Mina mutumia ça y ça unité à 1000 francs. Quartel man. Rio, toi tu es magique à tout qu'on a encouragé à tout le monde à somma kadi. Ça où me réveillez-vous 1000 francs na mana mais qu'on ne répondre tout na yoni mana qu'on est chacun tout qu'on a fait na tout qu'on a hamu à couper mais mon gars n'était mon gars que qu'on a dit ndakuwa na bariki kila mtu selogi suna nijua. Patrani Mungu natakuwa na tupa vengahe. Ato nabatakulaka hindoloi kwa Mungu. Mina tuko nakula mahere. Ayi, mukeke. Patrani, nimefikia hapa. Malaika wa shetani alituambia ati alitia mumwili ya Paulo amo mwiba. Ju Paulo asikuwe na chiburi. Or, imekuwa demondre ke Paul hana mo chiburi. Il faut tu jipose kesyo gani tukefika pale. Kama hana mochiburi. Hakuna mataweza wakosi nimepozeo mbae. Shisani una repose sione kama nendea pale ya wapi. Mi nipozeo hivi mbino njomu talisikia. Basi roho mtakatifu asaidie mune kumbrana. Nipozeo mbino hivi. Sa malaika wa shetani na jivicha nyuma ya chiburi chenye hachiko mpol. Unawaza tukapozea ukesio gani tunaweza ndavumbula chenyiko nataka fanya maisha Paul. Takose pale vile nao. Wewe. Aparama. Atrai, repose ku 09-09-06-5-5-20. Ika mbio mbio. Utakuwa naita andeko naandika nimero yako hapa. Kwa msana retail money apaye les unités autre numéro. Tunavifaa mara moja mbio mbio. Tupozea ukesio gani hapa. Ju tuenda na chenyeu shetani na vicha hapa. Paske urge haikuamo. Tupozeo kwa kesi yoga nikitulia jiuliza. Kika natubwa kuyengine recherche yenye. Tuende kumbranda chenye shetani kuna fatiria kupolo. Voila. Pali baro nimejeli explicite merci, merci Jezi. Mungu barikiwe. Pali nimekumbranda. Bame nielewa. Sitaoza lakini kurudulia hawa lakini. Na shindu. Ndiyo mnisame na shindu. Shetani na fatiria mpolo wako nini. Nimungu na mudambia chambuko mchiburi chenye haiku amu. Iko mfatiria kwa nini? Tuneza pozeo kesio kani chitu onde vumbula chini chiku watafuta hao. Njoo pale. Nimeleweka. Nwanande 06-55-20. Wana sema bonsoir frere. Kesio tauliza ile miba alitiaka kupaulo. Atoshe tumaini kumungu ni Pascal. Aibu unareponde. Tunauliza kesio kani chitu tauliza juu. Tuende dekuleo, tuende debusheo kengine kakitu kenye. Shetani aneza kuwa nalikuwa nafatiria. Kenye aneza kuwa nafatiria ambeshe, par example.
Merci pour l'émission, car tout qu'on a pu faire bien ça, on a pas mon zamba et prière, ou relier zile verset ni zaï matin. Fait ta émission, t'as coupé ce qu'on mange. C'est un natia mon Paulo qui tu chakwa chakiburi aé, tena joue à kutoka mbinguni na ma aé. On a disposé les questions, on a mis les disposés. Kumwanza ni on a kai verset, mon pasteur mona chandemba moi, ozini waé. Mi baiko mumuli ya Paulo sababu Paulo asikue na aveni mamezi ya zamani. Nongi hamuna mwengu na kesio watanye mwenye napati ile kesio inye tuneza jipoze jutunde degushe kukatu kengini. Leandre na udabitu. Jutuende pata chenye shetani iko nafatiriria mu Paulo. Chenye iko nenda vichama mchiburi chenye atiko mu Paulo tuneza jipoze kwa kesio gani. Minaona kama shetani alikuwaka na jua yenye nguvu yenye Paulo konayo yeye anafanya costa opposer question. Alors voici la question yenye napenda mtuendee kusicho kama vangapi vangaipata. Mimi angeipata tu sikose kunisinyale kama ungeipata. Leandre Mbali, la question qu'il fallait se poser. Dès lors que akose wewe na nani anapoze. Kaka shetani anafata ku Paulo ali upale yenye Paulo alikuwa nayo. Ah iko na répondre à poser. Question tout qu'on a posé, il s'est quoi clair que c'est un nato d'angagne, chiburi a chikom Paul, a chikwamo. Alors, question est une jolie, Joey ne se va d'angagne, on se pite par quatre chemins. Est-ce que hakuna kondrere, y a orgueil, y a chétani qu'on a taille à pa, y a une mungu, y a une skuma comme maïsha moutou, y a une chétani à kia zouia. Si je kamamina elewak, rom takatifo ni saidi. Eske hakuna kondrere ya orgueil ya shetani na taa hapa tatake amaliza maisha ya Paul. Yenyibwa haiko shetani ndio anataka tamu mtu, yenye Mungu ndio anataka mtu. Ni kondrere me Mungu ndio anataka maisha ya mtu. Chenye kweshi shetani kunataka azuia me na jivicha timorgueil. Sio kama mko nanielewa basi Mungu nisaidie ba nisikie, nisichoke mbure. Pardon. Ile njo kesio nye tungejipoze. Kesio nye revenire kujuliza, eski nya pa autre chose ya muzuri kondre le orgue. Iko! Kitu ya muzuri iko, je vous dis la vérité. Allo? Katulama wetu. Sawa tuendeleye. Pardon? Sawa, sawa. Donc, continuons, mesdames et messieurs. Toi, j'ai dit, tu avances quand j'ai dit. Kuko kondrere, Leandre Mbali, kuko kondrere ya orgueil. Yenye orgueil ya ayo shetani njo metri yake. On engueule pas ma produit. Les fabricateurs du produit qui s'appelle orgueil s'appelle les diables. Mais il y a un autre produit, le contraire du produit orgueil, qui s'appelle l'exaltation. Il y a l'élévation. Il y a ni mungu na nalita kama isha mutu ndio ni contraire ya orgueil. Ndio na Yesu ndio alisemaka kwata. Atai na mungu naye anaweza kuinua ku vizuri vyenye kunafanya. Haitakuwa orgueil. Hapa tisambu ni chiburi, hapana. Kazi ya kidogo niko nafanya hapa inaweza cha Mungu na mimi ananipatia kitu kingine honor nyingine. Unakomprand? Hii kazi ya kidogo na lali yako mshaki samdi inaweza cha na mimi Mungu anipatia kitu kingine. Mimi ile kitu kingine mtu sasa mtu ni orgei. Orgei ni ya shetani. Mimi na Mungu na iko na cha napatia kavake pe bwana merite. Ku kazi yenye bali mfanyia ndio chiku. Yesu anajisema kwa Luke 14:11. Lichona kama Luke 14:11, j'avais vu Jésus rêver sur quelque chose ici. Que ça, on a jishusha kana kupaka na kuenuaka. Ndiyo. Mais, na kukuenua ya namuna gani, indi kujenua njorgeye. Ehe. Mais, apa rero haujenua, rero uliacha uenuliwe. Mais, c'est Dieu qui fait ça, non? 14, lisons le 11e verset. Luka 14, kipindi ya... Kumina moya. Kwani kila mtu mwenye kujikuza atashushwa
na mwenye kujishusha atakuzwa. Mwata jesumba kunakona jipandisha orgueil, Mungu atakushukishaka. Na mwana jishukisha, Mungu anakupandisha. Seke iya in elevation, iya in exaltation, qui soit le verset de l'orgueil, Rio. Dans le deuxième cas, dans le cas de l'élévation, de l'exaltation de Dieu, Mungwana Sumba Mutu, c'est Dieu qui est venu Sumba Mutu Mali Jishusha par ce qu'il est en train de faire, par l'humilité, que Jishusha Nimutu Konaishi. Dans le cas de l'orgueil, Nimutu Nwali Jisumba, Aliwaza Mina Weza Mina Style, et Rezemani Kwani Manza Kongelea Orgueil Mumasambize Zimepita Zimbili. Mutu njua lijisumba ye peki, madames et messieurs. Et c'est exactement ça. Donc, nous comprenons déjà la première vérité ya kujua mwai histoire. 2 Corinthiens 12, 1 à 10, histoire ya Paulo nye peki on a jeleza kuma faiblesse ya keza na kwaka mon anguvu. Il n'est pas question de l'orgueil. Il est question, shetani hakie zui ya orgueil mu Paulo. Anakia zui ya Paulo asisumbi wake. C'est ça. Donc, Paul a waka mugonjo, haiko njebe anasema ko hapa. Jumi ukiene remba utinitafute na mie kukua fort mu mugonjo. Nitafute kukua fort mu maskini, ju Paul na alikuwa ka fort mu echarde nyalichimbuaka mu mwili yake. Hauelewe echarde mwenye. Echarde yake mon cher ni ma persécution zenye ko nasibire pourquoi asipate la élévation yenye. Iko à la hauteur ya venye alifanyaka. C'est ça ce que tu dois écrire. Que Paul iko anafitiniwa, shetani iko anafitinia pa Paulo kitu chimoya. Paulo alikuwa kana makope za tozo alifayaka Mungu. Alikuwa pire wa Mungu danjeke kusumbiwa wake angefikaka nivyo yenye dunia yote iliombaki na muna, mena le charde Kenya litimbua mwili yake ni ile kuzuiliwa. Ile ma persecution zatapigiwa. Ile kukataliwa quelque part, kufukuziwa mafimbo 41 kutosha kwa moyo. Aha. Apa ni sutonje comprendre kwanja la souffrance. Si ces versets si te l'explique mubaya ba takudembaka mateso akote nisikudanganya. Mtu atakutaka basha kugonga anakupika morale pale ke Mungu basi unona moshere basi na Apollo aligonjwaka. Donc c'est ça, la première chose à comprendre ici, ce n'est pas l'orgueil dont on parle. L'ange du diable ici, le démon qui est en train de venir placer cette écharde-là, il utilise le contraire. Il a empêché l'exaltation à Moutou Mouniko très humble. Moutou Mouchaka Jishusha. Moutou Mouniko na Tumikisha d'une manière exceptionnelle. Exactement qui s'est dit, c'est ce qu'on a fait pour nous. Exactement qui s'est dit, c'est ce qu'on a fait pour succès, yako leo nisikudanganye. Gizi shetani anaweza kuwa na zuia leo kuendelea biashara kwa mamangu nisikudanganye. Ni echarde yenye na uko nao mungozi. Gizi shetani anaweza kuzuia usizale leo. Haiko Mungu wangu nisikudanganye. Tu as l'echarde d'ta cher parce que mubyenyu kunafanya na kope kondre nyuko nao na Mungu. Ya tronde choses benyu limérité. Be uko naibiwa benyu limérité. Mais maintenant on va chercher à comprendre. Comment puiser les forces, moi, les quitte, les faiblesses. Njo coule. Tu vas quitter tous les mots. On a mis verset, mais il me dit à Kajouanini. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens me refusaient. Je ne comprenais pas. Je n'avais jamais compris pourquoi. Je n'ai compris le jour où j'ai lu ça. J'ai compris que quand je suis en train de anisema dinijitia mplasi ya Apollo, apana, meje kumbri kikuwa shibatu bana chukuliwa depi zamani. Na kumbe nchia wakamata moko mine shardu, na mie sharde yangu yenye niko na mungozi. Epine, muiba yenye niko na mwili yangu na mie njoki. Paske mie lutumi munasikia hapa moko nanyona. Niko tel ke sisemake kitu bana katala kuchidiskite. Tu mezami, si j'ai dit quelque chose, on doit d'abord refuser ou discuter. Tu comprends? Ça fait que je n'ai jamais eu maramwe ya mtu mwenye ndi niko na mtu mwenye anisaidiaka sana kukomala ou un ami qui m'aide beaucoup. Non, j'ai beaucoup d'amis qui me contestent.
J'ai beaucoup d'amis qui sont contraires. J'ai beaucoup d'amis qui ne me permettent pas de... Et peu comme pour me décourager. Maintenant, mon langage à Paul est peu comme pour me plonger dans une situation de faiblesse. Mais si je n'arrive pas à détourner pour puiser une force dedans, je meurs. J'abandonne les bonnes choses. Je vous dis la vérité, c'est ça. C'est ça, c'est ici. C'est ça, la une autre dimension comment tu as dans la souffrance. Donc, il y a un mot qu'on a un char des actes. Il y a un mot qu'on a mis basé comme moi, il y a quelque chose dans. Moi, je te dis, je n'ai jamais été dans une chose là où je propose mon idée dans une pita ya kwanza. Atikobi ae, itakamatoa kumwishu. Je n'avais jamais compris pourquoi dans tous les groupes, mi anjo vanessa becha problème ya bengine. Depuis que je suis tout petit, je n'avais jamais compris qu'est-ce que c'est malheur. À un moment donné, je me demandais, est-ce qu'il faut ne j'haneka que si kumoi. Moi, je me suis déjà posé cette question, je vous dis la vérité. Parce que là, tu n'as pas soula, tu n'as pas soula comme makio comme madame yangu mwemena naoa. Parce que ma femme a habité 3 parcelles, 4 mbele ya kwetu. Ava bahame. Nous déchirons ma vitre, j'ai 11 ans. Je dois avoir 11 ans à l'époque là-bas, si 11 ans, si 10 ans. Des choses comme ça. On n'est plus de 6 miepe, que je ne dis pas comme qui, mais je pigou à ma fimbo. Tu n'as pour la kalanga, ça va, tu kubalaba la spendi, ya kwa kalumba pale, kwa boma kuwa pale. Zamani là, on est dans les 7 ans. Tu konalisha kungeti ya kafekite nyinguoka pale. Tunapura makalanga tulidemba petit kunisha kalanga pale de chikoro chikoro tunaba makalanga tunazikulia kule mustade ya Limbor. On était 4 kwetu mbuzi yangu mie tunjo banda bana. Na mie ndo ndakula mafimbo mie peke. Je n'avais pas compris pourquoi c'est moi qui supporte toutes les choses comme ça. Pourquoi dans la vie même jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais jamais eu des choses qui me soutiennent pour que ni sentir que ni qu'on a fanya kitu ni. J'ai toujours des découragements, des choses qui me mettent dans des situations où je dois abandonner. Nina kiala laumu, j'ai des auditeurs qui m'appellent que wache kutuambrie. Ile mko na tufundisha pale. Oh mtu ku économiser kulunga mareje ya mwesheri ni jua una franga. Inakushindra. Oh uko na gatu fundisha fundisha pale entrepreneur namba wanje kwa na 1 million wanje tufundisha pale mtu amkakare kaka parcel unaweza kutufundisha. Moi je n'avais jamais compris jusqu'à ce que je tombe sur ces versets, mesdames et messieurs, pour que je réalise que les échardes y anana, ce sont pas des maladies uniquement. Ces infirmités, chacun en a, mesdames et messieurs, qui la moutou qu'on a ma infirmité, c'est pas chaque akutobola. Un ange du diable est passé par un homme, mesdames et messieurs. Les démons d'aujourd'hui, ça ne passe plus par les démons de tous les jours. Les démons d'aujourd'hui, ça peut même passer par vos amis proches, je vous dis la vérité. Un ami, mon yakuna jingoya, il te pique, tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment ça va. Que quelqu'un te décourage. Quelqu'un te démotive. Mutanda kukulia kopi yako. Uko musika. Mutanda pura bwanako. Mwatakuowa. Vous comprenez? Les échardes que nous avons dans la vie. Mutanda demba bibi yako ati bwanako ni mumbaraka. Quelqu'un, il y a une fille comme ça qui a pris son courage comme ça, qui a toujours fait ça derrière moi. Vous sur ma femme. Chaque jour, elle va chez ma femme pour tripoter des choses. Mais je me dis, cette femme ici, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Ni jour, ni ce qu'on a, c'est ma niko stable. Oumou, ni quoi de... Nous avons des échardes. Nous en avons des échardes. Ce n'était pas une maladie, je vous dis la vérité. Pour Paul, ce n'est pas une maladie. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas une maladie. Parce que Paul lui-même va me dire c'était quoi. Lui-même raconte. Mesdames et messieurs, Paul, il y a un peu qui a nassé ma kama, manani n'y a si bien que les persécutions balimbali n'y a pas d'attaque. En la vie de taille, toi, nous sommes des Corinthiens. Nous, des Corinthiens, moi, Corinthiens, nous avons des détails vieux. Vyote vinya lipataka. Ki exactement auto nao magonjwa mshera mi. Mie mpasere mwali ndembaka tambo atipola kwa nagonjwa mecho. Ndi machaka ndafanya irecheche ndi hawa masa wananja tuwa hii. Washa kwanza kama kuna shumama mbele tu mara moja. Biko na morali ya kukwana tuingizamo. Kwa msi biblia na mese zenda veri. Na ere mie nisha kuna kuambia verite. Mutu wakuna kutaya verse soma ayo mara moja. Pana tudembaka defua. Sima Luka 14 nini unanja fungula ayo. Atu patro ni bafendere huu. De Corinthiens, au Corinthiens 2, 11, tu n'as pas mon wa makumi mbili na tatu, mon pakolo wa kumi tatu na tatu. Nous allons lire donc de 11, le chapitre 11, nous lisons le 23e verset. Pas qu'à 33. 23, 33, il n'y a pas Paulo y est peu qui analyse vers les sibiraka, hakuna magonjwa na sikudanganya magonjwa mecho mesi kuyonaka hapo. Wao ni watumishi wa Kristo. Nasema kwa upumbavu mimi zaidi.
zaidi kwa masumbuko ya kazi, zaidi kwa kufungwa gerezani. Unaona, alikuwa na masumbuko ya kazi, zaidi kwa kufungwa gerezani. Paulo alikuwa anafungiwa gerezani, kupigwa bila kiasi, kwa hatari za kufa mara nyingi, aliponana kukufa mara tro. Hata mara tano nilipigwa na Wayahudi viboko 39, nalipigwa fimbo mara tatu, nalipigwa mawe mara moja, nalivunjiwa merekebu mara tatu, na mara moja nikashinda baharini usiku kucha na mchana kutwa. Mara nyingi nalifanya safari kwa miguu, nikapatwa na hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa duu kwa ndugu za taifa langu, ndugu taifa langu, unaona hapa ha. Hatari kutoka kwa wapagani, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari za ndugu za uongo. Nalisumbuka kwa kazi nzito na uchovu, mara nyingi nalishinda usiku kucha bila kulala usingizi. Naliona njaa na kiu, nalikosa chakula mara mara nyingi. Naliona baridi na kukosa nguo, bila kutaja mengine yote, mahangaiko yangu ya kila siku, shughuli za eklezia zote. Ni nani anayeregea nisiregee mimi? Ni nani anayeanguka katika dhambi mimi nisiungue machukio? Kama ni lazima kujivuna, nitajivunia udhaifu wangu. Mungu na Baba wa Yesu anayetukuzwa hata milele ajua kwamba sisemi uongo. Huko Damasko, liwali wa mfalme Areta alilindisha mji wa Damasko kusudi anekamate. Ndani kutoka dirisha nilishushwa katika ketunga kwenye ukuta wa mji, nikatoroka katika mikono yake. Musha unapa kwa natulezea pa alikuwa na gonjo. Paul n'était pas firme au sens physique. L'infirmité de Paul, ce sont des persécutions qu'il a subies et qu'il a subies de ses propres frères. Des persécutions qu'il a subies de ces gens qu'il allait prêcher. Gizi na huko na teswa na bandugu vyo nazaliwa nabu, muna gombania parcelle. Gizi na huko na teswa na vinyulusomaka nabu, mtu na kupatia sumu. Gizi kuna teswa na vinyulatumika nabu, mukazi mulelea. Gizi kuna teseka na barafiki mbana kujunguruka, unapatia kabatu makope zako, haba pendi kuteniri konti kwa ulibapa makope. Gizi unatesewa, unatesewa. Na batu mbuko nazu kuna asosie kusikse yako na wazreisiri. Awa wanakono na kama viko na drua, komzi tuwe oblige. Bana kia kutesa na tavi, bana kuchokesha kishu. Unatesewa na batu mbuko unatesewa, na minda fundisha haba, bana kukatala. Mukomprenele persecution de Paul, c'est ça. Et pour ça, tu ne peux pas me mentir. Ukapenda warishire unaandika zingine ma verset tasomezo kule kupale mwa kite des apôtres. 13 14. Paul ko Jerusalemu anakataliwa nini? Iko napana témoignage yake giza libadilika kisha tesa kanisa. Bana mufukuza ambo acha kusema vile mtu wa Saulu astahili kuhubiri pale mumfukuze. Acte des apôtres. Matendo ya mitume 13 14. Unasoma 13 14 verset unasoma. Utasoma na Acte des apôtres 22-24. Mwa Acte des apôtres 22-24, Paul anahubiri na inji watu wanakuya voti. Mkomrene? Pale kuna succès ni tatire jalousi na nachukuliwa na wajuif. Sana. Koma upike play apata vile kufejiash. Koma upike prr. Hamuko na vion. Hamuko ufanye prr. Koma kapini yako baka fate prr. Mkomrene ya de problème na la vile. Jean ont vécu de problème. Mtu anakufitinia succès yako, unaweza masomo, ulipata diplome de tena mapesa mingi, mtu inakuletea problem. Paul a vécu des choses comme ça. C'était pas la maladie, je vous dis la vérité. Quand tu vas d'acte des apôtres 13, ukarudia mu acte des apôtres 13, bila 14e verset, mais unasote 49e verset. Paul anapigwa majiwe ikone. Viko ikone manapigwa majiwe. Ils sont lapidés. Mu acte des apôtres 14, unatoka du premier au 5e, Paul est qu'on a tafutiwa. Jua pate nini malipizi wapi Thessaloniki. Ukoona magumu alipataka. Washakwambia tulienda panga jua ligonjwa, hakuna magonjo hapa. Tuache kudanganyana.
dans Actes des Apôtres 17, le 5e verset, en Inde à Grèce, Paul a fait quoi? Ma piège, je sais qu'on a subi les abats juifs. Tic à tic. Tu vas finir d'Actes des Apôtres 23. Actes des Apôtres 20, le 3e verset. Tu vas voir beaucoup de récits. Quand on a pita pita, puis on a Antiochia, puis on a Tembea, on a un d'Aubiri, on a Bakatala, on a Kuta Mulozi. Donc, si on a Chak, on a Kuta ou les Mulozi et tous les motos, on a Kananim. Il a eu des persécutions qui sont de nature, Zénie, Zirikwana Kia Nini, Zikena Kia Ambéché, Exaltation, Yemungo Natarisha. Exactement, Jo Syria Kabam Benikupatia. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Ye Paulo, mu révélation zote Zemungo Alimpatiaka, na mubiote vinyalifanyaka Mungu. Paulo angewaka mutakatifu mwa wahatarike. Succès n'y a pas de quoi inestimable. Mais Shetan n'y a pas de contre le succès. Mais il a déjà eu ce succès là d'une manière ou d'une autre. Maintenant, que Shetan a manifesté pour empêcher il est à Kadamba Tinorge, à ta quoi n'a pitié à mon bateau, à Katale Paul, à ta quoi n'a pitié à mon bateau, à mon pique magie, à ta pitié à moi, comme un dieu, comme un foukouza, mon missa. Atawapitia wamfukuze X par wamukate kalimi kelke pare kwenye kwa nanja pana temwanyasha kikizi alibadiri kaka iku unosha majabu ya Mungu mwana urumiaka mtu mwali persecuta kana eglise vile vukumbrele don la ile echarde nye Paulo alishiki jo ile manifestation nye shetani ule malaika wa shetani akwa naotesha mroho za watu wenye Paulo naishi nabu wamukatale. Zabatu wenye bange mupokea ba mufukuze, zabatu bange mupokea ba mupike mafimbo, zabatu bapinge injili nyiko na ubiri. Jua nini finalite haiko orge, finalite ni akose ile merite, ile succès, ile elevation yenye Mungu ashaka mtarisha njonye shetani kwa nafitimia. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ma grâce te suffit. Neema yangu inakutosha. Pourquoi? Acha shetani afanye vile, mais mon frère, succès yako kuna fasi yako. Et c'est exactement ça. Mais c'est quand ce verset tu veux l'appliquer dans ma vie mie lutumi mwene ko na besoin à l'art. Nishakosa kazi. Wewe mtumishi wa Mungu na kana mbuti ambu ma grâce de Dieu me suffit. Ni tosheke ni patike. C'est que tu avais mal compris toute ta philosophie et ta théologie. Mie na sikusoma kana wewe. Mais sikusoma na wewe théologie, mais quand même ça c'est quand même clair comme ça. Ça on a qu'un yambia que mieux qu'on s'abonne, ni shukuru Mungu. Il y a des situations dans lesquelles Mungu anaweza nitia, parce que, mon cher ami, où est la puissance? Où est la puissance de Jésus Christ? Jésus qui vient briser tout, mon banaké on est chaque rien n'est impossible avec Jésus Christ. Mais pourquoi ça devient impossible que mieux n'est pas tes bides? Pourquoi quand il s'agit de ma souffrance, moi il faut qu'on dise que Dieu peut? Pourquoi quand il s'agit, mie sina sikusomak, ni chakosa makuta, mie ukini explique que un moment donné Mungu anezi, unakufa vile na ou? Mon cher ami, c'est que toi là, tu es dans la logique avec Nyamana Somaka, il verset Moussa Skondre et Abigizi, ni kuna kuexplique yo apasai. Comprenez un peu ce qui se passe. Alors, quelle est la place de la persécution? Paul n'a pas dit à persécution, souffrance. Il n'a pas dit à place égale. Je suis chez moi en force. Je suis là où je suis. Je suis chez moi le courage à mon force. Je suis chez moi sa case à mon force. Je suis chez moi 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 chez moi. Paul nous répond, nous avons indiqué à Romain, mais aussi va nous répondre, nous avons indiqué à mon affaire, nous avons Timothée. Allons-y voir. Quand il va écrire aux Romains, il va être clair. Quelque part, il va leur montrer qu'attention, il y a des choses, vous devez vous y préparer. Maintenant, nous allons donc chercher à comprendre, à partir de répondre aux questions, quelle est la place de la souffrance? Quelle est la place de persécution pour Maïcha Yashiva Christ?
Est-ce que c'est normal? Oui, nous avons compris que Satan est en train de faire des souffrances. C'est le diable. Nous sommes persécutés parce qu'il y a des démons, il y a des anges du diable qui ont placé ça pour que tout s'y atteindre. Et tout le monde vienne, chakapanga, mais par la grâce, on y arrivera. Nous sommes en Roma 8. On va lire le 26e. On peut aller jusqu'au 39e, mais nous allons comprendre. 8, 26e, 39e verset. Inasema hivi. Hivyo naye roho anatuletea msaada. Sisi watu zaifu, maana hatujui tutaomba nini jinsi inavyofaa. Lakini roho mwenyewe anatuombea kwa maombi ya kuugua yasiyoweza kusemeka. Naye Mungu anayepima mioyo ajua roho anawaza nini, maana huyo anawaombea watakatifu gisi Mungu anavyopenda. Tena twajua ya kama katika mambo yote Mungu huwafaidia mema tu wale wanaompenda Mungu. Ndiyo wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliwajua tangu mbele, aliwaweka pia tangu mbele wapate kufanana na sura ya mwana wake, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliwaweka tangu mbele hao ya hao akawaita, nao aliwaita hao akawapatia unyofu, nao aliwapatia unyofu hao amewapa utukufu. Basi tuseme nini zaidi ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kushindana nasi? Yeye hakumwonea mwana wake mwenyewe huruma, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi wote. Je, si atatujalia sisi mambo mema yote pamoja naye? Nani ataweza kuwastaki wateule wake Mungu? Mpenda msikilizaji, maana Kristo Yesu alikufa na zidi amefufuka, na sasa yuko kuume kwa Mungu, tena anatuombea. Voilà le verset. Tasoma tout au début pour la français parce que vous avez un peu compris le kiswahili. Quand vous lisez un peu vite le Romain, vous lisez le 8e chapitre, les 23-26, verset 26. Mashuka, il est dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une chose ou quelque chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien, pas au malheur. Ha. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères, et si de suite, et si de suite. Alors, tu es un homme à part de l'autre, je pratique. Mais je suis pratique, je suis un parti en Nini. C'est très important, en tout cas, excusez-moi. On doit chaque fois essayer de réfléchir là-dessus. Maintenant, on a regardé la baroua et Paul, on a indiqué à mon affaire, c'est qu'on a tiré au Timothée. Tout ça, mais baroua et Timothée à pire. Allons lire cette épître de Paul à Timothée. Il y a pire, il y a quoi, hein? 2 Timothée 3. Nous sommes à 1 à 17.
juste quand même quand tu chapitre tu vas comprendre que si tu saucissonnes ma verset. Alors après tu n'as pas fait quoi maintenant. Pourquoi les persécutions doivent être là? Parce que toi, tu as fait toujours la présence et il y a ma souffrance et il y a ma souffrance. Il est dit quoi? 2 Timothée 3 et 17. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant du plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, pour toi, Timothée, pour toi, pour moi, l'autre, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi ma conduite, tu as suivi mes résolutions, imani yangu, ma foi, ma douceur, opole wangu, ma charité, ma constance, mes persécutions, na matabu na ma souffrance, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes? Magumu gani okonaka Timothée? Vu qu'on a ni petit zame, na mungu akana ntosha à moi yo. Or, tous ceux qui veulent vivre piézement à Jésus-Christ, il verset ya 12 ya mu 2 Timothée, mon cher, 2 Timothée 3, il verset ya 12 njo ujihandre keko mbumo. Or, tous ceux qui veulent vivre piézement en Jésus-Christ seront persécutés. Yeso chaka tuanjia, arete sewa, kanasie tujitarisha kutesewa. Pas parce que mungu nyo nasemaka tuteseke, non. Pas parce que kuteseka ni playa mungu, non. Mais parce que, unarudu kuyulu. C'est un enchaînement logique, non. Parce que, dans les derniers jours, il y a des temps difficiles. Parce que les hommes sont égoïstes. Parce que tuteseka kajuba tuwashaka jependra. Tu te dis que parce que les gens aiment l'argent, tu n'as pas de makuta. On a kufa. On a kuya babako. On mette seka. Mais est-ce que mon Dieu écoute ça? Non, c'est pas mon Dieu. Ne cite aucunement le nom de mon Dieu. À côté de moi, je te flanguerai une gifle. Oui, oui. Moi, je peux donner une gifle à quelqu'un qui dit que babake, moi, vile n'y a kufa na mungu, Dieu, moi, n'y a. Ton père n'est pas mort parce que c'est Dieu qui fait. Ton père est mort parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes là où il y a les hommes égoïstes. Tu vois, tu vas apprendre à ma kuta. Tu vas faire un coup de ma sœur. 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 Tu vas faire un coup. Parce que les gens sont des hautains. Tu vas apprendre à coup de sombre. Ma niveau, c'est quoi? Les gens sont des blasphémateurs. Ils vont apprendre à mungu. Chaque matin, ils sont des hautains. Asanja vala wa mungu wabu mabiuno. Njio nakuta mtu shababu wanako muimadawa. Ndiyo, misufrasi njima mungu kuna ndilele mesenu pamo diyo kitefe subiri sana. No! Paske ele jaso de rebela lere para. Bazazi mukateseka wapetise saa. Tuko na shio ngongi. Haiko mungu njale kupangia kukuna vale batoto. Hii ngongi yako se paske ele zafaso de rebela lere para. Saseka chidua diri. Tuko muwakati zenye, les enfants sont des rebelles à leur part. Ça c'est clair comme ça. Parce que les gens sont des ingrats. C'est écrit même ici dans 2 Timothée 3, le deuxième verset, non? Les ingrats, on a fait pas tout de suite, on va kukumbuki. Ils sont irréligieux. Mouton la cosa tissu, tu m'as dit qu'on est au canis. Ils sont ma verset, moi, à toute sa vie. Il a 30 ans, il n'a jamais fini le chapitre.
kufanya mafungo ajoule moi il ne peut pas. C'est irreligieux. Ils sont insensibles. Mutu anaweza vuka batu kuna 100 dollars mu poche nyaina na kazi. Haizi pana kuna 100 francs. Anakula 22 000 dollars epeke. Wakupokea moins de 1500 kuna saidia batu kusana. Vous êtes des insensés. Njilo chaka tunakona sema siye. Mini chaka mendi saidi balikucha nwa muzuri unanisikia. Ah. Oh, le tume chaka partiza. Vena kuangalia. Wakula 22 000 ozi saidia na batu. Vous voyez tout ça? Les gens sont insensibles. Ils ne sentent pas la souffrance de tout ce qu'on a ici. Il faut sentir que les capacités de la master de 1000 dollars ne sont pas créées 20 cas de la vie. Mais chacun va demander parce que 10 meilleurs députés, moi, je suis Kinshasa, ils ne sont encadrés par maman 7000. Moussenga. Je vous avais demandé ça. Na ba mama 7000 bakenda mwambilia batoto abo batrua batitu voter fulani anapita na narudia Kinshasa. Mais pourquoi il ne faut pas ça? Ils sont insensibles à la souffrance de ces femmes ici. Mama me konosha bitika na kwambia capital yake 3000 francs. Na nakomalisha na somesha batoto. Ou ya kapatiliwa na un député 50 dollars, c'est une vie qui change complètement dans cette famille. Na naongezewa kwa entrepreneur yenye lutumbe na mfundishi. Ou tu nous sembles là enjoy. Votre argent sert à quoi? Quand tu peux occasion qu'on a coulé l'arrière ville, c'est toi qu'on a orienté ville. Tu que c'est coulé au vieux, mais on a tout pas ma fille. Rio, vous avez le droit parce que vous votez ces gens-là, il faut que vous les chuchotez. Les gens sont des déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens. Oui, il y en a qui va tomber dans tes secs. Donc, 12 ans à Kwambi. Tous ceux qui veulent vivre piezement avec Jésus-Christ, vous allez subir des souffrances. Mie na we tu na posha subir ma kosa. Mie sa mutu anane katalaka murafiki yangu si chomanaki. So unane koroga, unanieleza mubaya, so unane temwanyo vyo vyo, so unane fungia kope, so unane faie nini. So, mina elewaka. Mina fataka kasa untu de Timote. Nisha kwa andika tumi kujangu de Timote. Ye Timote murafiki yangu kwa panjomu na kumukia kujinaki. Anachungaka pa kunini, kunani, kunani. Awa de Timote 3 ndanjia ko enda fika ku 12 nanisha elewa. Kisha mimi ndanjia pale sache que le dernier jour il y aura des temps difficiles. Eh njoze niko naishi Mungu. Les hommes seront égoïstes, ndio niko na viona. Les ils seront amis de l'argent, manake, de fafaro et biko na nasema ku vesi ku jua kwa ta. De hote biko na jibeba na kuisi vesi wazie. Blasphemateur bana kokana. Ha. Afata pata marepose. Donc, la place de persécution, c'est ça. La persécution dans la vie du chrétien, c'est obligatoire, nous l'aurons. Aïko, je vous dis, je vous dis, non, parce que nous avons donné à tout le monde. Nous devons nous y attendre et nous y préparer. Tout comme nous avons dit, 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 nous mtoto mwenye unazala anaoa mamake, anaoana. Hamuko navisikia. Kaka anaoa kaka jua parcelle. Hamuko navisikia. Watu sivyo kuma parke huku. Mnaanza ni Lutsumbi tuko na gombana na familia nyingine. No. Watu kabakuta kuparkeja ametaka ni wote ni wa Lutsumbi. Bakapishana kidogo ni kwa sokulu ni Lutsumbi na huu ni Katulamo na huu ni nani? C'est ça non? Mais c'est la même ligne. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est persécution, c'est Dieu? Non, c'est pas mon Dieu. Ma Bible m'a déjà répondu, c'est pas mon Dieu. Faut pas m'en dire pour mon Dieu. Quand tu meurs pauvre dans tes trucs, c'est toi. Il y a des trucs que c'est toi ou c'est les autres là qui se font subir. Je te dis la vérité. C'est le monde, c'est toi ou c'est les autres. Poudre. Pas mon Dieu, arrêtez de m'en dire pour mon Dieu. Au Kandelea, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Égara les autres et égarer eux-mêmes. On a compris? Abatibu batendelea kwa batibu na kupoteza na vingine ba mzuri. On a compris? Njogizi musika wao munyuko mutaratibu, kalo na kana kutrize kananja shingira na munanja zini, kalo sikonona na pasteur yenu, na lotsumbu sikona mchomana. Basika vingine badiambia kapati basha nichokia. Ambu depi ba bwana babiko na nifata habiko na bahonga tena. Basika benye habaishi ba bwana babukope kope bila ba bwana bamugujua. Musika na nita, Lutsumbi imbesile mbwa. Depi bwana mrafiki yangu anakufuata, awazi sema atanipatia salari nitumiki basha katala kunipa hiyo.
mpirane sukula na niparatia juu nilifundishaka mulu anandre kucheza makuta vile musika naza kukulia zuya huya muawa viko dire mie nika mtia kwa miza gara ikakua lo maza luke nifudilia muko mbele les gens chercheront à égarer les autres, ça c'est vrai. Toi demeure dans des choses que tu as apprises. Ibi njobi kuna ambia Timothée maki hapa mina kamataka sa Paulo kuna ambia mia lutsombi de merde dans les choses que tu es en train d'apprendre. Moi, je n'ai rien appris avant. Je suis en train d'apprendre beaucoup aujourd'hui. Une joie, j'ai un peu mal parce que Léo, pour l'anglais, va fournir ma petite. Ah, papa, tu as fourni à quoi pour parler? Je touche à rêver de lui. De merde dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres. Quand des sénènes ont la mungu, ni combien tu as au somaké. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Gisaini qu'on a corrigé mon kitcha kobe yabari kufundisha bia mubaya kuhusu mateso. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On a compris? Finalité ni nini, l'homme soit accompli. Dans l'accomplissement, il y a vraiment qui a quoi combler, mon cher, ou me réaliser, et nous avons lu avec vous, ce sont des bonnes choses uniquement. Vous voulez quoi? Des amalisia parle. Il me fait un cas, il y a un amalisa, ni toche, ni kefanya. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que personne n'a donc reçu une grâce particulière à endurer la souffrance. Personne. Personne d'entre vous qui est en train de me suivre, a au kumbuaka, je supporte que pour baskini.